Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero et bienvenue dans cette 21e édition de votre magazine digital Perpignan, ça bouge. Aujourd'hui, nous sommes sous la statue de l'immense artiste que l'on ne présente plus, le fantasmagorique Salvador Dali. Ce numéro sera placé sous le signe de l'art, mais aussi de l'ange et son arc, le tant recherché Cupidon. Mercredi 14 février, la Saint-Valentin a fait battre le cœur des Perpignanaises et Perpignanais. Photos à l'hôtel de ville, jolies roses rouges pour ces dames ou encore jolies surprises. Perpignan a célébré l'amour avec la fougue et la passion qu'on lui connaît. Retrouvez tout de suite votre chroniqueuse Clémence qui est allée à votre rencontre en ce mois de l'amour. Retour sur vos témoignages et réactions parfois détonnants. Perpignan, ville du soleil, du rugby et de la romance. Bonjour à tous les célibataires et les amoureux, c'est Clem, votre amoureuse ou chroniqueuse préférée. Qui dit février dit fête de l'amour, Cupidon, des chocolats et des petites attentions. N'est-ce pas messieurs? Alors que vous soyez en train de préparer votre surprise romantique ou de vous gaver de chocolat, aujourd'hui je suis votre dose de bonne humeur et je viens à votre rencontre pour voir à quel point Perpignan est une ville romantique. Perpignanaise, Perpignanais, comment mesurez-vous l'amour? Un petit endroit à Perpignan pour faire un date romantique. Les Mistinguettes, je trouve que c'est un super resto, c'est assez une ambiance assez chaleureuse. El Gusto aussi, c'est un restaurant très romantique et très bon. Moi les Aristos, je trouve ça pas mal. Il y a une petite ambiance. Le Barcelone, la Fabrique, ouais. L'endroit qui convient à chacun, à la mer, à la maison, au restaurant. Le Parc Wilson. Coworking Café, il est hyper beau et il y a des endroits où on peut être que à deux. Bah, les halles avec une petite tapas, etc. C'est quoi votre red flag pour vous vraiment ou ça c'est pas possible si jamais une fille elle a ça? La politesse, ouais, si elle est pas polie, non. Si elle a vraiment pas d'humour, c'est compliqué. Ouais, aussi, c'est okay. Ouais, j'ai une meuf aigrie qui regarde mal les gens et tout ça. S'il s'habille mal. Ok. Ah ouais. S'il parle mal. S'il parle mal, ouais. Pas poli. Ouais. Qu'il pue. Ok. Qu'il soit sale, qu'il ait les ongles sales. Oh ouais, le noir sous les ongles, là c'est non. Hein. Le petit surnom qu'on vous donne ou que vous donnez. Bibou. Et qu'elle me donne, c'est mon homme. Ok. Ok. Mon chat, pour les deux. Ouais, mon chat. C'est mixte. Ouais. Carigno. Et vous, madame? Carigno. Ah, super. Le chat ou chat. C'était... Ok, ouais. Moi, c'était mignon parce qu'après, moi, c'était Mimi. Mais après, c'est... Et toi? Moi, c'est Chouchou. Chouchou. Chouchou, ouais. Mimi et le chat. Ouais. Le plus beau cadeau que vous ayez pu lui offrir pour la Saint-Valentin? Une belle soirée en amoureux, à partager une bouteille de champagne en écoutant la musique. Un ours de 1m80. Ça, c'est pas mal. Moi, c'est un petit bouquet de fleurs pour l'instant. Ça, c'est très bien. Simple, classique. Des gâteaux, genre, fait exprès pour lui. Pensez-vous que les cadeaux, en fait, sont un moyen de montrer son amour? Non, pas du tout.
On montre notre amour à longueur de la relation. Tout le temps, en fait. Pourquoi tu rigoles, toi? Moi, je le rejoins un peu, mais quand même, des cadeaux de temps en temps. Des petites attentions. Voilà. Non, des petites attentions, ça fait toujours plaisir aussi. Par là, c'est toujours un plus. Ouais, moi, je rejoins mon ami Baptiste, des petites attentions. Mais après, c'est sûr qu'on n'a pas besoin forcément de dépenser de l'argent pour attirer une personne. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut, ouais, rien qu'avec des petites attentions qui sont même pas payantes, des fois, on peut prouver largement plus son amour que quelqu'un qui fait plein de cadeaux. Les plus beaux cadeaux sont invisibles. Oh. Voilà. Vous ne pouvez pas dire mieux que madame. Voilà à la gare de Perpignan, au centre du monde, comme disait le génie fou. Perpignan met à nouveau à l'honneur le street art avec la 4e édition de L'Art prend l'air qui a commencé jeudi 15 février. Des expositions en plein air aux performances artistiques. Perpignan se transforme en galerie à ciel ouvert. Nous sommes allés rencontrer les artistes, alors à vos pinceaux et à vos photos. Eh bien, nous voilà enfin arrivés à ce moment tant attendu par les artistes, mais également par le public. C'est la 4e édition de L'Art prend l'air. Sur les quais, en cœur de ville, ce sont plus de 10 artistes qui vont nous exprimer leur liberté de créer, leur liberté d'expression, à travers donc un festival qui offre une sorte de galerie à ciel ouvert. D'artistes et tout particulièrement d'artistes du street art. C'est un événement qui recueille chaque année un véritable succès et c'est vraiment une chance de pouvoir offrir cette galerie à ciel ouvert d'artistes qui viennent donc des quatre coins de la région Occitanie, qui je l'espère vont vous faire rêver à toutes et à tous. Bon festival et à très bientôt. À présent l'hôtel Pams où nous retrouvons notre portrait du mois. Bonjour à toutes et tous, je suis Laurence Serlin-Lemaire, la nouvelle directrice de l'Office de tourisme de Perpignan. Alors, je dirais que le tourisme pour moi c'est une passion à la base. Ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis installée dans le département et à Perpignan en particulier. Et donc j'ai pu, dans un premier temps, travailler sur une réflexion au niveau collectif avec toute l'équipe, puisque l'idée c'est d'être véritablement inclusif et pas exclusif et de pouvoir déterminer les axes majeurs de la promotion, de la mise en marché de la destination Perpignan qui devient Perpignan centre du monde. Et nous avons fait le choix aussi de Perpignan centre du monde, assorti d'une nouvelle communication, d'un nouveau logo, d'une nouvelle image visuelle. Et donc l'objectif est de très clairement faire venir de nouveaux types de clients sur Perpignan et sur la destination du centre du monde en particulier. Le fait est qu'on est tous des touristes. On est tous à la recherche de nouvelles pépites, de lieux insolites. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre territoire. Bien entendu, il y a différents types de tourisme. Donc, on peut venir à Perpignan pour faire une découverte patrimoniale et on peut aussi venir à Perpignan pour du tourisme d'affaires et venir en congrès, découvrir les privatisations du musée Rigaud, par exemple, de lieux mythiques
comme l'hôtel Palms dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas qu'un touriste, il y a des touristes. Et chacun peut y trouver ce qui va faire vibrer son âme. L'office de tourisme se trouve donc place de la Loge, en plein cœur de ville de Perpignan. Naturellement, la structure est ouverte à tous, aux Perpignanais, aux excursionnistes, aux touristes. Et donc, je vous invite tous et toutes à venir au sein même de notre office de tourisme qui va refaire peau neuve d'ici quelques mois et que vous pourrez découvrir de façon plus virtuelle dans le nouveau site internet apparaître au mois de mars prochain. Nous voici sur le célèbre marché quartier-gare Place de Belgique. Artisans, commerçants et marchands vous accueillent tous les jeudis et dimanches. Nos commerçants perpignanais ont également répondu présent à l'occasion de la braderie en cœur de ville. Des remises exceptionnelles et des déballages ont animé le centre-ville de Perpignan pour notre plus grand plaisir. Ça amène du monde, mais les prix sont attractifs, donc forcément tout le monde vient, en général ouais. Tout le monde vient. C'est plutôt cool, moi j'ai toujours trouvé que c'était une très bonne ambiance, oui, c'est et non, c'est très jovial, c'est toujours une occasion de pouvoir sortir, pouvoir montrer aussi qui nous sommes, donc on profite de ça et puis c'est toujours bonne ambiance, on parle à beaucoup de monde, les clients sont toujours plus, on va dire, avenants à parler, etc. Donc, c'est plus cool. Du fait qu'on sort à l'extérieur, on peut, si vous voulez, trouver une nouvelle clientèle qui n'ose pas habituellement rentrer en boutique. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on va rencontrer et qui sont de potentielles nouvelles clientes. Oui, ça fait que 55 ans que je fais la braderie. J'étais un des premiers à faire la braderie. Moi, je suis le plus vieux commerçant du centre-ville. Je fais toujours la braderie parce que ça me plaît. C'est bien parce que ça ramène pas mal de monde et aussi ça nous fait partir quelques paires qu'on a en stock, des produits aussi à des prix raisonnables. On bosse parce qu'on a des petits prix. Je pense que ouais, on va sur la ligne, on va bosser. Youpi la braderie. Je flâne et ça à chaque coup de cœur. En général, bon, je trouve toujours des trucs sympas. Je trouve que c'est quelque chose de super pour la ville, ça permet aux personnes de se balader, de trouver des bons plans et voilà, de profiter des choses que peut-être on ne pourrait pas acheter quand en temps normal. Place à l'agenda, 4e édition pour l'art prend l'air, quand le street art s'empare de la ville sur des installations éphémères pour le plus grand plaisir de nos yeux jusqu'au dimanche 26 mai en centre-ville. Antoine Vircondelet expose dès le vendredi 1er mars à l'hôtel Palms. Venez à la rencontre de cet artiste nomade. Du 4 au 8 mars 2024, c'est la semaine des droits des femmes. Donc mesdames et messieurs, cela nous concerne tous. Le rendez-vous est pris. Mali, et si je pouvais peindre la musique, donnera le ton à la chapelle de la Funeraria jusqu'au dimanche 24 mars. Patrick Rancoul expose les corps et les âmes à travers des photos et des sculptures saisissantes à la chapelle du Tiers-Ordre jusqu'au dimanche 31 mars. Retrouvez toutes les informations sur votre application Perpignan La Rayonnante, le site mairie-perpignan.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous donne rendez-vous dimanche 24 mars. À bientôt.